Salut tous les amis, bienvenue dans une toute nouvelle vidéo les gars. Et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo magnifique parce que aujourd'hui nous allons réaliser 10 records du monde, je dis bien 10, sur GTA 5. Ça va être un truc de fou. Vous allez voir que c'est plutôt pas mal, donc n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et dites-moi dans les commentaires si vous voulez que je fasse un épisode 2 et quel record du monde vous voulez que je fasse sur GTA. Ça, à vos idées dans les commentaires, spammez-moi les commentaires. En tout cas, on est parti, let's go pour le premier record du monde. Ok les gars, on est parti pour le premier record, faire le tour de la map le plus rapidement possible. Eh bien, c'est parti, 3, 2, un go, on part du yacht, let's go. Waouh, wow, la vitesse qu'on a, c'est abusé, what the fuck. What is this shit? Ah oui, d'accord, ah oui. Ok, j'essaye de contrôler en même temps, ça va être compliqué de contrôler. En tout cas, on rappelle qu'on est parti du yacht. Le but, c'est de faire le tour de la map le plus rapidement possible. Oui, c'est bon, on est bon, on n'est pas bugué, let's go. What the fuck? Non mais c'est abusé. Non mais t'imagines, tu pouvais te déplacer comme ça en GTA Online les gars. T'imagines le mec qui fait le tour de la map en je sais pas combien de temps. Ok let's go. Dès qu'on dépasse le yacht les... Et c'est dépassé le yacht. Pouhou, 58 secondes exactement les gars. Abusé, waouh. Oh, waouh. 58 secondes pour faire le tour de la map. C'était abusé. Sachant qu'on a eu des petits. On s'est tapé un peu des murs, etc. Donc, on va dire 55 secondes pour arrondir. Donc, 55 secondes, c'est le record battu. On est parti pour le deuxième record. Ok, on est parti pour le deuxième. Eh bien, record du monde. Faire le plus gros plongeon de GTA 5. Hein. C'est-à-dire que c'est. On va partir de tout en haut. Là. On va partir de tout en haut. Attention, let's go to the party. Allez, faut pas qu'il fasse n'importe quoi. Et c'est parti. Pour faire le plus gros plongeon, on part en wing suite. What the fuck? Ah ouais. Je sais pas si je vais réussir à... Alors, je sais pas si je vais mourir ou non. En tout cas, c'est quand même... Très haut, on est très haut sur la map, abusé, on a dépassé les nuages et on est en train de plonger tel un babuf, voilà, tel un babuf. Alors on peut partir en wing suite, mais nous notre but c'est de plonger quoi, direct, hein. Je veux dire, là on plonge, attention, pouhou, et on est pas mort, let's go, c'est réussi, deuxième record du monde réussi, on est parti pour le troisième. Et on est parti les gars pour le troisième record du monde, c'est parti, alors ça c'est simple. Vous voyez là, il y a 3 balles de basket. Mais vous allez voir que pour le quatrième record, ça va, on va se servir également des balles de basket. Mais là, on va tout simplement faire la plus grande tour de balles sans que ça tombe. Hein. On rappelle que sur dans le record du monde, dans le business, il y a des records où faire la plus grande tour de Lego, etc. Et ben nous, on va faire la plus grande tour de balles. C'est parti. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ok. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. What the fuck? 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36. 3. La tour de balle est énorme. On va regarder d'en dessous. Waouh. Alors là, je pense qu'on peut pas faire plus. On a fait une tour de 150 balles de basket sans tomber. Puis je crois qu'on a fait le maximum parce que regardez ça. Ça bug un peu. Mais en tout cas, on a fait la plus grande tour de balles de basket. C'est magnifique. Incroyable. Alors regardez comme c'est haut. Regardez comment les balles sont. What the fuck. Ok, c'était troisième. Et du coup, on est parti pour le quatrième record. Vous allez voir qu'on va se servir également des balles de basket. Et on est parti pour le quatrième record. Ça va être plutôt compliqué. On va tout simplement devoir mettre eh bien, un panier de basket. Et oui les gars, un panier de basket avec, eh ben oui, avec un pistolet. Ça va être hardin, je vous le dis. Ok. Allez, du deuxième coup. Troisième coup. Ah, c'était peut-être probable. Ouh la vache. Et ça passe à côté les gars. Ça passe à côté.
Ok. Celle-là, il y a moyen. Celle-là, il y a moyen. Non, ça, il n'y a pas moyen. Ça, il n'y a pas moyen non plus. Ok, il faut que je me remette des balles plus proches que ça. On est parti pour le record. Va-t-on réussir à mettre le panier, les gars, au bout de je sais pas combien d'essais. Oh là là. Lui. Oh, c'est mis. Oh, je crois que c'est mis, les gars. On va regarder la barre tout de suite. Mais je crois que c'est mis. Je crois que le dernier a été mis. On va regarder la barre tout de suite. Allez, c'est parti, on check la barre. Let's go. Et c'est dedans. C'est dedans. Regardez. Il est rentré. Magnifique. Eh bien, le record du monde numéro 4 a été battu faire un panier avec un pistolet de haut d'un conteneur. C'est incroyable. On est parti pour le cinquième record. Alors les gars, pour le cinquième record, j'ai décidé de faire une petite dédicace à la salle. C'est tout simplement monter le FIB en BMX. C'est la salle qui encore détient le record du monde. Hein. Jamais personne, aucun joueur dans le monde n'a battu ce record. Et pour le coup, c'est un vrai record magnifique. Donc du coup, je vous l'affiche tout de suite. Let's go. Pour ceux qui... Ok les gars, on a déjà fait 5 records du monde, on est parti pour le 6ème record du monde. Rappelez-vous, tout à l'heure nous avons tout simplement fait la plus grande tour en balle et c'est parti pour faire la plus grande tour en balle de club de golf. Let's go! On est parti, on est déjà à 2 balles actuellement. Va-t-on pouvoir faire une grosse tour énorme? Telle est la question. En tout cas, on monte, hein. Abusé de chez abusé, what the fuck, comment c'est... Cheaté, ok, ça monte plutôt pas mal. Il faut qu'on dépasse au moins le petit drapeau. Je sais pas si on va pouvoir faire plus que ça, les gars, parce qu'on est quand même assez limité. Waouh, regardez-moi ça, regardez-moi ça. What is this shit? Wow! Oh, les gars, calme, calme les balles, calme les balles. Calmez-vous. Calmez-vous, parce qu'après, on va devoir faire encore avec ces balles. Ok, on est actuellement à... on était à 130, on est actuellement à 170 balles. On va s'arrêter à 170 balles. Voilà, 170 balles. Et je pense qu'on ne peut pas aller plus loin, parce que regardez, en fait, quand les balles... Elles... Ah, bah mon perso a complètement bugué. Ok, les gars, attention, on va tirer. Hein, voilà, comme je vous ai dit, on a pu faire la plus grosse tour. Waouh! Oh, on l'a fait! On l'a fait! Oh my god, nous avons mis une balle de golf. Et oui, c'était, eh bien oui, le septième record. Oh là là, on a mis une club de golf. Elle est rentrée. Le replay tout de suite. La VAR, s'il vous plaît. Et les gars, j'ai tiré sur la tour. Et il y en a une qui est rentrée. C'est incroyable, c'est abusé. C'était le septième record. On en a fait deux en un. C'était beau. Et on se retrouve pour le huitième record. Eh bien messieurs, c'est parti pour le huitième record du monde. Vous avez vu devant moi, il y a un tas de véhicules. La plus grosse explosion sur GTA V de véhicules. C'est tout de suite maintenant avec le lance-roquette. J'espère que mon jeu va pas crash. On a un pourcentage comme assez élevé que ça crash. Donc c'est parti, 3, 2, 1. Eh ben je vous avais prévenu que le jeu allait crash. Mon jeu vient de crash. Mon jeu vient de crash. Voilà. Le 8ème record a fait crash le jeu, tout simplement. Donc là, ça a explosé. Hein. Mais malheureusement, ça a crashé. Ok, on est parti pour le 8ème record. Et les gars, let's go to the party. Vitesse maximum qu'on peut faire sur GTA V. On va essayer de battre eh bien, un record. Let's go to the party. Allez. Ça peut le faire, ça peut monter. Allez, on est pas mal les gars, on a plus de 1000, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte. 1145, va-t-on pouvoir battre un record avec cette petite super sportive?
Ok, 1002, peut-être 1002, ouais, on a fait les 1002, 1205, j'ai vu, 1205, 1207, 1209, 1214, 15, ok. Allez, 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 les gars. Ah, 1230, waouh, allez, tu peux faire plus, tu peux faire plus. Tu peux faire plus. Ah, on est descendu. Eh bien, je crois que les gars, on a fait 1250. C'était abusé, voilà, 1250, incroyable. On se retrouve pour le 9e. Ok, on est parti pour le 9e record du monde. Et là, celui-ci va être vraiment pas mal. Tuer tout simplement un PNJ le plus loin possible. Voilà, vraiment du plus loin possible. On est avec notre sniper. J'ai mis deux PNJ sur la Maze Bank qui sont juste, je sais pas si vous les voyez. On va essayer de les tuer. Ok. Je crois que. Je suis pas sûr, mais je crois qu'il est mort. Mais on est loin à mort. Alors lui, j'arrive pas. Ah, c'est bon. Ok. On va aller voir s'ils sont morts. Eh bien oui, what the fuck? Les deux PNJ sont morts, les gars. On a quand même tiré d'assez loin, hein, là-bas. Bon, là, on dirait pas d'ici, mais c'est quand même très loin au sniper. En tout cas, on a réalisé le 9e record. Et c'était vraiment sympathique. On se retrouve pour le dernier record, les gars. Bon, les gars, le dernier record, ça va être tout simplement de tuer un PNJ. Eh bien, avec une roquette, les gars. Mais d'un coup. Mais d'un coup, genre lui tirer dessus. On va reculer bien. Je pense qu'on est pas mal là. Ok, let's go. Va-t-il mourir? Allez. Oh. Oh oui, la balle, elle passe à côté. D'accord, la balle passe à côté. Ok, donc ça va être plutôt tendu. Oh! Oh oui! Oh, je crois qu'il est mort, les gars. What the fuck, les gars? Alors, vous voyez. En fait, le problème, c'est que la balle, elle a. Tendance, bon, le temps que je vous. En gros, là-bas, la tendance, les gars, tout simplement à se tourner vers, vers la droite un peu, elle dévie un peu. Mais comme vous pouvez le voir, on a réussi notre record. C'était plutôt sympathique. Du coup, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Abonnez-vous, pouce bleu si ce n'est pas déjà fait. N'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche. Et si vous voulez d'autres records, dites-moi dans les commentaires quel record vous voulez que je fasse. Et je les ferai, je les réaliserai. Let's go, tout le party, ciao!